Je voulais parler d'un sujet un peu spécial, là. Donc, je suis dans mon bureau, qui est aussi mon petit lodge d'enregistrement. Puis le but, on sait que le but, moi, j'explique le but, c'est que je suis infirmière, puis je suis éducatrice, je suis récréologue. Puis bon, j'essaie de tout simplement qu'on dit de t'envoyer des bisous puis de t'en donner des trucs. Bon. Oui, il y a des trucs qui sont gratuits, mais il y a d'autres choses qu'on dit, c'est des droits d'auteur parce qu'il y a de l'information aussi qui arrive de ma part, donc qu'on appelle qui a été recueilli, hein. C'est comme être, admettons, je sais pas moi, une infirmière qui a aussi une ferme, hein, parce que je vais présenter une histoire de cas, parce qu'avec des histoires de cas, on comprend assez bien. Donc, je vais te conter l'histoire d'une infirmière. Donc, c'est une infirmière que son mari, il est cultivateur, OK, puis il rit pas parce que leur plantation, c'est des choux. Bon, c'est des choux. Quand on dit des choux, on part pas à rire, là. On fait de la soupe avec des choux, on fait des cigares aux choux, OK? On fait des salades de choux. Puis le chou, c'est un aliment du Québec, du terroir du Québec, qui est un gros, c'est comme un gros ballon vert que tu peux éplucher, OK? Puis, qui se conserve très, très bien, longtemps. Je te dirais que s'il n'y avait pas eu de choux sur le Québec, il y a des familles de cultivateurs dans l'ancien temps qui aurait eu très faim. Donc, l'histoire que je te raconte, c'est vrai, OK? C'est une infirmière qui travaille à Maisonneuve-Rosemont de nuit, OK? Dont son conjoint est cultivateur, puis il commence une plantation, là, ils investissent de l'argent sur les choux. Bon, pour bien entendu, l'objectif, c'est pas d'être gentil pour la communauté, puis d'être généreux, puis donner son avoir. Ça, c'est pas l'objectif. Quand tu investis, c'est parce que tu t'attends à un retour monétairement, puis tu veux aussi dans le futur laisser des legs qu'on appelle à tes enfants, OK? Parce qu'on le fait pour le but, l'objectif des objectifs de la vue. Bon, ça, de la vie, c'est bien entendu, c'est d'être heureux, d'être joyeux. Puis si tu veux être parent, c'est d'avoir des parents. Si tu veux pas être parent, tu as d'autres objectifs de joie dans la vie qui est autre que d'être parent, qu'il ne faut pas juger. OK? Ça peut être d'autres objectifs dans la vie que d'être parent. Mais les gens qui veulent être parents, il faut respecter les gens qui sont parents. Donc, ça demande beaucoup, beaucoup de réflexion. Ça demande du savoir, puis ça demande de la présence, puis ça demande aussi, bon, tout. Mais c'est peut-être pas le but. Je reviens à ma toutoune d'amour qui travaille de nuit, qui est infirmière, puis qui est aussi cultivateur. Ok? Donc, elle travaille 4 nuits/semaine. C'est beaucoup 4 nuits/semaine comme infirmière. Puis elle a 2 enfants. Puis ils ont aussi une ferme. Donc, quand elle finit de travailler, le chiffre finit à 8 heures, mais bon, le temps du rapport dans la salle à café, de rapport avec le chiffre de jour, tout ça, à part à 8h30, elle fait 1h30 de route pour se rendre chez elle parce qu'elle est cultivateur, donc en campagne, 1h30 de route. Elle arrive vers 10 heures, le temps de voir son conjoint qui est cultivateur, que lui rentre parce qu'ils ont aussi des animaux. Donc, de passer, ça peut aller parfois jusqu'à 3 heures, 4 heures. C'est anormal. C'est parfois l'horaire d'une infirmière de nuit, OK, qui a des jeunes enfants et puis qui a un conjoint, dire ce temps-là, je donne à mes enfants, ils vont pas à la garderie, je suis pas là de nuit, OK? Donc, puis on va aller faire un petit dodo, là, au moins 4-5 heures, 6 heures si c'est possible, 5 heures, on va couper 5 heures parce que là, bon, ben, il y a plus de devoirs, puis il y a plus de choses à faire, c'est la rentrée, puis bon, il est arrivé quelque chose avec les choux dans le champ, faut que j'aille, il a pas mouillé, faut que j'aille arroser. Donc, OK, on s'entend que l'investissement du temps monétaire, tout ça, puis l'objectif de la vie, c'est là qu'on dit ne pas détruire le patrimoine familial, OK, génétique, humain. Ça, c'est grave. Mais détruire le patrimoine, comme on dit, monétaire, puis immobilier, c'est grave. Mais plus grave, humain. Ça, c'est sûr que c'est pas pardonnable. Détruire l'avoir humain, on appelle ça meurtre, OK? Hypocrite ou bien direct, ou prémédité ou impulsif, le meurtre est le meurtre, OK? Faut pas avoir peur des mots, donc. Là, ou bien détruire un patrimoine immobilier ou détruire un patrimoine d'immeubles, hein, de quadriplex ou d'un centre d'accueil pour personnes âgées, parce qu'on connaît les torpilles de garderie, mais il y a des torpilles aussi de personnes âgées qui vont aller jouer les